Manger. Samy, est-ce que tu vas bien? Manger, maintenant, nourriture. Ok, tu veux un bonbon? Je veux un gâteau. Oh, Suzy, ouvre les yeux! Tu as parlé d'un gâteau? Hein? Mais où est... Arrête de blablater, on va faire un gâteau ou pas? Salut les amis, on dirait que l'esprit d'Halloween est toujours là. Ouais, si j'étais un monstre, alors voici ta poussière d'araignée. De la poussière d'araignée? C'est sans danger, ça ressemble à de la farine pour moi. Oh oh, tu as entendu quelque chose d'autre? Les amis, je dirais qu'aujourd'hui nous allons faire un gâteau bizarre et effrayant. Fais-toi Halloween encore une fois! Ajoutons quelques larmes de fantôme là-dedans. Voyons voir ce que c'est. C'est sucré comme du sucre. Bah ouais, parce que c'est du sucre. Qu'est-ce qui se passe? Tu es bizarre. Ok, je vais jouer le jeu. On devrait appeler ça de la poudre de corne de licorne. Oh purée, c'est juste de la levure chimique. Tu es sûre? Que dirais-tu de cet ingrédient? Laisse-moi l'essayer. Berk, c'est du sel. Ouais, mais appelons-le quelque chose comme dents de chauve-souris. J'aime ta façon de penser aujourd'hui. Maintenant les choses se corsent, nous allons ajouter du beurre. Hop! Et on mélange à nouveau les ingrédients. Regarde ça! Les dents de chauve-souris écrasent le beurre! Sorcière Slime, merci pour ton aide. Notre mélange s'est transformé en sable. Des œufs de dragon, des coups de tortue font de ce gâteau une bombe. Mais n'oubliez pas de bien les mélanger. Sam, tes dragons sont trop petits pour être effrayants. Ne te moque pas de ma magie, Su. Il faut continuer à mélanger. Tes désirs sont des ordres. Les œufs de dragon sont dans le bol. Pour faire une génoise moelleuse, il faut aussi du lait. Et un peu de gelée de poisson rouge est essentiel. Versez-le dans notre potion de gâteau. Les amis, ne vous méprenez pas, c'est juste une huile que vous avez tous à la maison. Et c'est certainement une potion d'amour pour notre Samy. Je vais le sentir. Quelle essence divine. C'est de l'extrait de vanille pour une saveur supplémentaire. Avons-nous oublié quelque chose? Ouais, voilà. Appelons-le lait fouetté méduse. Les amis, d'habitude, on appelle ça un yaourt grec. Les enfants vont pleurer car dans cette farine, je vais mettre du citron vert pour le rendre aigre. C'est parti! Je vais faire une potion encore meilleure en ajoutant des larmes de baleine. Une énorme portion. Maintenant, mélangeons le tout. Il est temps de cuisiner! Sorcière, préparez vos sorts! Nous devrions préparer un moule à gâteau et ajouter de l'huile dans le bol, comme ça. Une fois tous les préparatifs terminés, nous le remplirons avec la pâte. Waouh! C'est super! Ah! Whoop! À quelle température dois-je mettre le four? 140 degrés Celsius! C'est ça! 50 minutes dans le four devraient suffire. Reste avec nous! C'est vivant! Je peux avoir une bouchée? Seulement un peu de croûte que j'ai déjà découpée. Faites attention en utilisant un couteau, les amis. Non, non, non! Sam s'est transformé en loup-garou affamé à cause de cette lune verte. Ah, mon estomac est enfin plein. Chut, attention avec les génoises. On va les utiliser pour faire un chaudron magique avec une potion fumante. Tu vas avoir besoin d'un ingrédient secret pour faire le chaudron magique. De l'essence de cœur noir? Où vais-je la trouver? Eh bien, je t'ai apporté un autre ingrédient, une essence de cri de momie. Fouette-la. Ça ressemble à un beurre normal pour moi. Je t'ai dit de le fouetter et de te dépêcher, Suzanne. C'est bon. C'est parti. Assez. Maintenant, tu peux ralentir un peu. Ouh, Samy, c'était épuisant. Ne me refais pas faire ça. Super. C'est joli et moelleux. As-tu trouvé le deuxième ingrédient? En fait, on l'a déjà utilisé. Les amis, vous vous souvenez de ce qui se cache derrière l'arme de fantôme? Tu as gagné. C'est du sucre. Ce sont les deux derniers ingrédients dont tu as besoin. Yay! Mais pour toute bonne potion, il faut d'abord mélanger.
Maintenant, cette essence de cœur noir, commençons par la poudre de cacao. Le rire de la sorcière maléfique rendra le tout encore meilleur. Riez avec moi. Ça marche. Tu peux arrêter maintenant. Construisons le chaudron. Les amis, répétez toutes les étapes et surtout évitez de cligner des yeux. Non, c'est trop dur. Faisons en sorte qu'il ne bâille pas et n'éternue pas. Oh non. Ok, pas de conditions alors. Il faut juste vous amuser et faire de votre mieux. Et voici la deuxième partie du chaudron. Pas mal du tout. Découpons-le de tous les côtés. Nous avons utilisé un emporte-pièce rond pour faire le dessus du chaudron. Maintenant, nous allons recouvrir le tout de glaçage et le mettre au réfrigérateur pour le refroidir. Waouh, c'est trop cool. Les amis, à tout de suite. Et n'oubliez pas de vous abonner! Les copains, on a mis deux parties de notre gâteau ensemble et on les a recouvertes de glaçage. Et c'est ce que nous avons obtenu! Waouh! J'ai hâte de regarder de plus près! Ça a l'air cool! Mais quand est-ce qu'on va le finir? Si tu veux accélérer le processus, tu ferais mieux de t'occuper du fondant. Ah, bien sûr! Su! Dans une seconde! Aide-moi, Su! Ce fondant veut me manger vivant! Les amis, soyez prêts! On va créer un vrai monstre! C'est un tentacule fondant. C'est savoureux, mais pas effrayant. Je rigolais. Faisons un combat de tentacules. Attends, je vais ajouter des ventouses bleues pour faire encore plus peur. J'ai fini avec le mien. On commence la bataille. La bataille? Je devrais préparer une armée. Ouch! Beaucoup mieux. Es-tu prêt, Sam? Oublie les tentacules. J'ai un œil qui voit tout. Tu es sûre que c'est un œil? Je ne vois pas d'iris ou de pupille. Exactement! Parce que je pensais que tu m'aiderais à le faire. Tu n'avais pas besoin de demander. Nous allons commencer avec un iris bleu et ensuite on place une pupille noire au centre. Ajoutons aussi quelques reflets. Tu sais ce qui sera encore plus effrayant? Un œil ensanglanté! Bonne idée! Tu peux t'en occuper alors. Continue et termine le dessin. Ok! Et je vais créer un feu de sorcière. Les amis, vous n'avez jamais vu une flamme aussi colorée? Waouh! Ça a l'air cool! Maintenant, on va découper les parties les plus colorées avec un emporte-pièce ovale. Oh la vache! Je ne savais pas que les flammes des sorcières étaient ovales! Je ne veux pas te décevoir, mais je n'ai pas encore fini. Tiens, regarde ça! Le feu est dangereux pour les sorcières slime! Alors tu devrais faire un sacrifice à l'esprit du feu. Est-ce que des décorations fondantes feront l'affaire? Qu'est-ce que tu en dis? Incroyable! Et j'ai une idée brillante! Waouh! Regarde ce chef-d'œuvre! Regarde ces superbes tentacules! Oh, et la flamme qui semble si réelle! Cet œil te regarde! Si, tu as oublié le dernier ingrédient! Oh, c'est vrai! Et le voici, de la glace sèche! Vous êtes prêts, les amis? C'est parti! Sam, ça va aller! Tu sais quel est le meilleur moyen de combattre tes peurs? Les amis, faites attention avec le couteau. Demandez aux adultes de vous aider à couper le gâteau. Ah, viens! Je n'ai pas peur! Je n'ai pas peur! Non! J'ai peur! Samy, reviens! Oh, ok, quoi? C'est génial! Mes peurs sont si délicieuses!
Les copains, vous devriez essayer cette recette à la maison. Je suis sûre que vous allez l'adorer. Samy vous a rappelé de nous donner un j'aime et de vous abonner. À bientôt!